Il pleut sur les rizières des montagnes du sud de Sulawesi, en Indonésie. Elle écrit un reportage sur la mort. La population Toraja habite cette terre, pour qui la mort est le moment le plus important du cycle de la vie. Le rituel funéraire se célèbre. Parfois, le corps du défunt est gardé dans la maison pendant des années. Nous roulons en moto et deux scooters nous dépassent avec deux cochons attachés à la selle. Nous les suivons. Nous sommes frappés par le fait qu'il y a des vêtements qui sèchent au soleil. Nous en trouvons davantage en chemin. Et les motos nous conduisent à l'enterrement d'un voisin nommé Petrus. Il est célébré par un abattage de buffles et de porcs. À la sortie, nous trouvons d'autres vêtements accrochés au bord de la route. Depuis, nous avons photographié des vêtements suspendus pendant 5 ans. Dans 7 pays d'Asie. En Indonésie, elle écrit au sujet d'un warkop, une sorte de café avec Wi-Fi, où les jeunes se retrouvent pour se connecter à Internet et surtout fumer. Le groupe, la famille, le quartier et les vêtements suspendus. Comme le concept de l'intimité fantaisiste. Comme cela semble fictif, loin de chez nous. Si nous cachons les choses ordinaires,
celles qui sont inhérentes à tout être humain. Comme la mort, ou des vêtements sales. Alors qu'est-ce qu'on montre ? Au Cambodge, des robes oranges pendant des balcons. Comme celle d'un moine qui ne connaît pas le goût du vin. Lola écrit sur la réconciliation avec le passé, de ceux qui ont survécu au génocide des Khmers rouges. Les morts, nos morts, leurs morts, les proches qui ne reviendront pas, ceux qu'ils connaissent à peine, ceux qui refusent de partir et réapparaissent sous forme de cauchemar. Ceux qui l'ont forcé à voir et à faire. Souvenirs d'enfants, bagages d'adultes, la honte, la faute, les doutes. Des vêtements sèchent au soleil. En Chine, il y a un dicton. Chaque famille a un squelette, la carre. Ils peuvent se demander, n'y a-t-il pas de vêtements sales dans vos pays ? Nous répondrions, oui. Nous les avons cachés.